Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver. Alors, se préparer pour un entretien avec les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, USCIS, est essentiel pour augmenter vos chances de réussite. Voici quelques étapes pour vous aider à vous préparer. 1. Consultez le site web de l'USCIS. Visitez le site web de l'USCIS et familiarisez-vous avec les informations relatives à votre demande spécifique ou à votre processus d'immigration. Comprenez les exigences, les processus et toutes les mises à jour ou modifications qui sont intervenues récemment. C'est-à-dire, restez à la page. 2. Rassemblez les documents requis. Assurez-vous de disposer de tous les documents nécessaires pour votre cas spécifique. Cela peut inclure des documents d'identification, des formulaires de demande, des preuves à l'appui ou tout autre document requis par l'USCIS. Organisez-les de manière à être soigné et facilement accessible. 3. Comprenez votre cas. Comprenez parfaitement votre dossier d'immigration, y compris les raisons de votre demande, les critères d'éligibilité et les problèmes potentiels qui pourraient survenir lors de l'entretien. Examinez votre dossier de candidature et soyez prêt à fournir des réponses détaillées et précises sur votre parcours et votre situation. 4. Exercez-vous. Simulez l'entretien. Familiarisez-vous avec les questions d'entretien courantes et prévoyez vos réponses. Concentrez-vous sur les questions liées à vos antécédents d'immigration et aux raisons pour lesquelles vous demandez des prestations d'immigration. Pensez à demander de l'aide ou des conseils à un professionnel, si nécessaire, pour vous assurer que vous êtes bien préparé, car il faut l'être. 5. Faites des recherches sur le processus d'entretien de l'USCIS. Comprenez le processus d'entretien général suivi par ce service. Découvrez les exigences, les procédures et les attentes spécifiques au type d'entretien auquel vous assisterez. Cela peut varier en fonction de la nature de votre demande, comme un entretien de carte verte par exemple, un entretien de naturalisation ou un entretien d'ajustement de statut. Ça dépend. Alors 6. Améliorez vos compétences linguistiques en anglais. Si l'anglais n'est pas votre langue maternelle ou si vous ne le parlez pas couramment, mettez en pratique vos compétences linguistiques en anglais. L'entretien USCIS se déroulera généralement en anglais et vous devez être capable de comprendre et de répondre efficacement aux questions. Cependant, si vous faites une demande depuis un pays non anglophone, il est possible que des services en d'autres langues soient rendus. Mais lorsque vous faites une demande de naturalisation, l'anglais est un impératif. 7. Habillez-vous de manière professionnelle. Habillez-vous convenablement pour l'entretien. Portez une tenue professionnelle qui reflète votre sérieux et votre respect du processus. Il vaut mieux être légèrement trop habillé que pas assez. Voilà qui est dit. 8. Arrivez tôt. Prévoyez d'arriver tôt le jour de l'entretien pour éviter tout retard imprévu. Cela vous donnera le temps de suivre les procédures de sécurité et de rassembler vos réflexions avant l'entretien. D'avoir donc la tête en place, comme on dit. 9. Restez calme et confiant. Pendant l'entretien, restez calme et posé. Écoutez attentivement les questions et fournissez des réponses claires, concises et honnêtes. Si vous ne comprenez pas une question, n'hésitez pas à demander des éclaircissements. Ne donnez pas de réponse aux questions qu'on ne vous a pas posées. Et 10. Apportez des preuves supplémentaires. Si vous disposez des preuves supplémentaires ou de documents justificatifs qui, selon vous, renforceront votre dossier, apportez-les à l'entretien. Cependant, ne fournissez ces documents que si cela est spécifiquement demandé ou s'ils sont pertinents pour votre cas. Cependant, n'oubliez pas que chaque entretien USCIS est unique.
et que les exigences et procédures spécifiques peuvent varier en fonction de votre candidature. Il est donc important de faire des recherches et de comprendre en profondeur les détails de votre cas particulier et de demander des conseils personnalisés si nécessaire. Voilà qui est bien dit. Au revoir.